À l'occasion du bimillénaire de Paris, la radiodiffusion française présente Paris, livre d'or. Une production de Maurice Bâtissard, animée par Simone Jean, Joanne Daniel et l'auteur. On n'en restera pas là parce que la radiodiffusion française nous présente, vous le savez, dans ses nouveaux programmes, ce qu'on appelle des émissions compensées, c'est-à-dire des émissions comportant un caractère publicitaire. Toutefois, à la RDF, on ne fait pas nommément de la publicité pour la marque X ou Y, mais pour le produit en général. C'est ainsi que dans différentes émissions, on vous dit par exemple manger du sucre, des pâtes alimentaires, des oranges, fumer du tabac français. Oui, la fumée, c'est le rayon André Gillois. Car chaque producteur a une chose qui lui est désignée. Comme M. Gillois est un homme sérieux, on l'a collé aux manufactures d'État et à la régie Renault. Jean Noël, lui, il est à la chicorée. Oui. Le grenier de Montmartre, là, on est aux députés, nous. C'est un rayon spécial. Bâtissard, lui, il est libre pour le moment. Remarquez, il serait très bien à la construction, le bâtissard de cathédrale. Alors, avis aux entrepreneurs. Bon, alors voici donc sur une musique célèbre de Michel Hébert quelques couplets compensés à propos de cette nouvelle formule. La fête bat son plein en cœur, les trois chaînes font de la publicité déguisée. Aux chers auditeurs, on vante chaque semaine les bienfaits du susuc et de la chicorée. Tous les lundis soirs, à silence antenne, rayons spaghettis, coquillettes aux œufs, Beauvais et Pierrecourt n'ont vraiment pas de veine. Le macaroni est tombé sur eux. Comme ils ont de l'esprit, alors ils se débrouillent. Et pour bien conclure leur petit topo, sitôt après leur blabla sur les nouilles, ils nous font entendre Patrice et Mario. La nouille bat son plein dans les semaines qui viennent, frappant le grand coup de publicité. Beauvais nous réserve, les deux se retiennent. Dans le genre qui file, on ne peut pas lutter. Monsieur André Gillois, la saison dernière, qui tenait un bureau de gitane et de balto, est versé maintenant aux cuirs et lanières et aux productions de la régie Renault. Et Robert Derry, donnant sa parole, vous conseille manger du sucre tant et plus. Au premier kilo, on est branquignol. Au deuxième kilo, on devient du gudu. Le sucre bat son plein, surprise de la France. Noël chante les louanges de la cigorée. Une plante merveilleuse qui redonne confiance, qu'on cultive chez nous depuis Mérovée. Oh, il faut en boire, mesdames, mesdemoiselles. Vous aussi, messieurs, et les petits enfants. C'est bon pour le foie, le cœur, les aisselles, l'intestin, la rate et ça purge le sang. Vous tous, les machins, les trucs, les petites choses, chez votre épicier dès demain matin. Allez en acheter, forcez sur la dose. Vous me direz merci dimanche prochain. Les grincheux diront que c'est une plante amère. Mais si vous suivez ma petite théorie, tout ce qui pousse chez nous, qui sort de notre terre, même si c'est amer, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, même si c'est amer, c'est la mère patrie. À l'occasion du bimillénaire de Paris, la radiodiffusion française vous a présenté Paris, livre d'or, une production de Maurice Bâtissard, animée par Simone Jean, Joanne Daniel et l'auteur. Aujourd'hui, Souvenirs de Paris avec André de Fouquière, Music Hall avec Guy Nelson, Claire Marion, Edmond Meunier, Raymond Girard, Pierre Spears, sa harpe et son piano, et Pierre Mallard avec l'orchestre de Maurice Vandeval, Paris, je t'aime avec Kurnonski, prince des gastronomes, Indicatif chanté par Georges Hague et Raymond Girard avec les Girls de Miss Baron. La mise en onde était assurée par Jean-Michel Pontramier. C'était une production Maurice Bâtissard. C'était Paris, livre d'or.